Elles auraient le pouvoir d'invoquer le dragon Shenron, non pas pour exaucer des vœux, mais pour remporter de merveilleux cadeaux. World Premiere. Please welcome le Metal Geek. C'est la fin du week-end. Et donc c'est la fin du manga. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit bouh. Bah ouais. Mais on va essayer de se quitter sur une note plutôt sympa. On va. Alors, vous êtes au courant, je pense, si vous êtes là. Durant ces deux dernières semaines a eu lieu la grande chasse au Dragon Ball, hein, dans la ville de Fréjus. Est-ce que vous avez participé? Et en fait, c'est très simple. Vous avez été nombreux à tous les trouver. Évidemment, il ne devait y avoir qu'un seul gagnant. Malheureusement, on a voulu être sympa. Donc on a fait plusieurs petits cadeaux supplémentaires. D'accord? Mais vous êtes même trop nombreux. Donc je vais devoir tirer mon sort parmi tous ceux qui ont trouvé le Dragon Ball. Et voilà, vous serez donc quelques-uns montés sur scène. Alors est-ce qu'on peut prendre le sachet avec des noms? Le premier tirage au sort, il me faut une main innocente. Mais alors très très innocente. Hein. Alors attendez, je regarde un peu. Deux la main plus haut. La petite fille avec la casquette rose. Ouais, c'est pas. Allez, viens par là. Regarde, monte par là. Là, il y a des voilà. Il sortait, Cédric. Oui, il est là-bas.
Attention, je vais tirer le dernier papier. Combien on en est à 4. Voilà, c'est bien le dernier. Le dernier. Il vous met le doute en plus, c'est là, c'est pas bien ça. Alors, attention. Aledra, Rebecca. Allez, montez tous sur scène. Ah, faites du bruit, c'est la seule fille. C'est vrai. Hein. Allez, alors on va tous monter sur scène, on va tous se mettre en ligne. Hein. Ouais. On va tous se mettre en ligne pour que ce soit bien propre. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Merci, en tout cas, merci à Alissa et je pense qu'on peut faire une petite ovation. Une ovation, j'ai dit. Ah, voilà, ça commence à faire un petit peu mieux. Ah, ben voilà, eh ben, écoute, petit cadeau. Shenron, il n'est pas encore arrivé, mais on t'offre ce super carnet secret de princesse. Voilà, merci beaucoup Alissa. Allez, vous avez la chance d'être monté sur scène avec l'incroyable, le fabuleux, le phénoménal Metal Geek. D'accord. Hein, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, je fais que citer. On va invoquer Shenron tous ensemble, je vais le faire pour vous, parce qu'il y a que moi. Il n'y a que moi qui peux invoquer Shenron. Donc on va tous se tourner, d'accord, vers l'arrière de la scène. Nous allons tous nous mettre à genoux. Allez, s'il vous plaît. On va quand même témoigner d'un peu de respect, soyons sympas. Nous allons donc invoquer Shenron. Shenron, les boules de cristal ont été rassemblées. S'il te plaît, apparaît-nous. Vous m'avez invoqué. Oui, Shenron, je t'ai appelé. J'ai avec vous. Ça va tranquille. Bon, je suis avec certaines personnes qui ont trouvé les boules de cristal et du coup voilà, on t'a invoqué tous ensemble pour que tu nous donnes quelques cadeaux, quoi. Je vois. Mais sont-ils vraiment dignes de mon pouvoir? Ouais. Enfin, je suppose, je pense, je sais pas en fait. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une toute dernière épreuve à passer pour moi. Ils devront, devant moi, tous ensemble, chanter le générique de Dragon Ball Z. Chala et Chala. Non, le générique français, celui qui est chanté par Ariane. Non. Ah ouais, super. Préparez-vous, j'attends. Bon, eh bien, écoutez, on va éviter le contrarié. Donc on va rester en ligne, d'accord? On va le passer. Faire plaisir à Shenron. Si vous voulez, vous avez les paroles si vous les connaissez pas. Hein, Shenron, il est sympa, il va nous les afficher. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est le moment d'assumer. Parce que s'il repart, on a fait tout ça pour rien. Hein. Et moi, je me suis tapé des montages vidéo à plein. Donc soyez sympa. D'accord? Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Hey, vous avez envie d'entendre un truc bien chanté ou un truc à l'arrache? À l'arrache! Ah bah non, merde. Un truc. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est votre moment. Faites-lui plaisir. Vous êtes prêts? Dragon Ball Z, Urgent, Tears of Glory. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. C'était pas si mal, on va dire. Je vais maintenant procéder à l'invocation de vos cadeaux. Merci, Shenron. Merci.
Merci chez moi. Merci chez moi. Et au revoir. Je crois que les cadeaux ont été invoqués, mesdames et messieurs. Vos surprises sont arrivées. Ils sont d'accord. Si je peux baisser juste un peu, voilà. Là, c'est super. Alors, chez moi, il est sympa. Il est super, c'est un pote, hein. Mon ami d'enfance, je le connais depuis longtemps. Goku, il était comme ça, d'accord. Ok. Alors, on l'a dessous. C'est vous êtes 5, d'accord. Il a invoqué 5 cadeaux. N'oubliez pas qu'à la base, on ne devait pas en ramener qu'un. Il a été quand même super gentil. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes cadeaux. Et donc, il va falloir les répartir de façon aléatoire pour pas qu'il y ait de préférence ou de jaloux, hein, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Manu, mon acolyte, mon ami de toujours, mon cousin spirituel. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quand même. Allez, allez, allez. Et toi, tout le mérite n'est pas pour moi. Hein. Ouais. Regardez cette super coupe de cheveux, sans déconner. Et est-ce que c'est pas la classe? Eh, c'est moi qui ai plongé à l'eau. Pardon? C'est moi qui est allé dans l'eau. Hein. Ah, c'est lui qui est allé dans l'eau. Et vous l'avez vu dans la pub. Hein. Bon. Voilà. Tu peux aller chercher le sachet du pouvoir. Sachez du pouvoir, j'ai appris ça comme ça. Hein, voilà, pas mal, c'est bien. Voilà. On va tirer ensemble les cadeaux que vous allez gagner. Shenron a invoqué les surprises dans la loge, parce que c'est quand même plus pratique pour la mise en scène. Hein. Désolé, on n'a pas un budget de malade. Donc on va dire qu'ils sont encore derrière, on va aller vous les chercher. Hein. Alors, t'as le sachet, je crois. C'est pas les cadeaux, hein. C'est pas les cadeaux. Attendez, non, mais nous soyons pas si pressés. Dans ce sachet, qu'y a-t-il? Il y a des répliques. Des boules de cristal. En fait, il y en a 5. Ouais, il y en a 7, là il y en a 5. Vous allez les tirer au sort. Donc vous allez avoir un numéro qui correspondra à la boule. Ça correspond au cadeau que vous allez gagner. Donc vous allez chacun tirer une boule. C'est parti, on commence par la demoiselle évidemment. Hein, soyons galants, allons-y. Alors, de quelle boule s'agit-il? La 4. Oh, la boule numéro 4. Vous savez qu'elle est symbolique celle-là. Il y a des fans de Dragon Ball Z ou pas? Et on fait du bruit aussi. Et il faut tout vous apprendre en fait. Faites du bruit.
aucune surprise. Aucune communication sur les cadeaux. C'est des cadeaux supplémentaires, mais bien sûr, c'est pour ça. Et bien, il s'agit de Mega Man Legacy Collection sur PS4. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il est content. Alors là, je pense que t'as un mot à dire au public, quand même. Merci. Oh, avec l'intonation, ça, c'est très important. Oh, fait du bruit, s'il vous plaît. Aïe, 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 ça y est, c'est la dernière. La boule à 4 étoiles, la plus symbolique. Alors, que cache-t-elle? Et bien, on va voir ce que Shenron nous a gardé. Je vais chercher ça. Et vas-y, gamin. Sorti, la petite maison dans la prairie. Pareil. Allez, fais ça bien. Fais ça bien. Oh là là, que vache. Oh là 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 là. Et j'ai l'impression d'être à la fête foraine, c'est génial. Oh là 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 là. Il s'agit d'une super Nintendo en boîte avec le pack Super Game Boy. Je pense qu'on peut l'applaudir. Le cadeau est tout simplement merveilleux. Faites du bruit. La grande championne, c'est la grande championne. Je vais même pas te demander si t'as un mot pour le public. Tu vas faire un discours improvisé de 2 minutes 15 minimum. D'accord, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Fonto, aujourd'hui. Je vous remercie à tous parce que j'ai passé une super chasse. J'espère que vous aussi. Bon, oui, c'était super, 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 super cool à jouer ensemble. Et encore un super en plus, en plus, en plus, en plus. Super Nintendo. Super. Super, 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 super Nintendo. Merci à tous de m'écouter dans mon discours qui va durer encore un petit moment. Je suis désolée encore. Mais, je vais le voir. Vraiment chouette et tout ça. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui se bougent, qui font vivre un peu l'animation, tout ça. Donc c'est super. Je vais demander de faire du bruit pour vous, s'il vous plaît, parce que ça, c'est important.